Donc, le séminaire va être donné par donc, Piotr Bojanowski, qui est chercheur à Facebook maintenant. Donc, évidemment, là-bas, il y a beaucoup de travaux qui sont actuellement faits sur le langage naturel. Et donc, merci beaucoup d'avoir bien voulu venir. Je crois que j'ai mon micro à moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir l'opportunité de vous parler aujourd'hui. Au Collège de France et de faire ce séminaire sur les réseaux de neurones et les applications des réseaux de neurones au traitement du langage naturel. Donc aujourd'hui, presque toutes les applications en traitement automatique du langage font appel à des méthodes profondes, donc utilisent d'une forme ou d'une autre des réseaux de neurones. Même si le traitement automatique du langage, je pense, n'a pas eu son moment ImageNet, donc n'a pas eu l'équivalent de ce qu'a eu la communauté de vision par ordinateur, et n'a pas eu un moment où un résultat comme AlexNet sur ImageNet a changé le paradigme d'un coup. Cela dit, les résultats récents et importants, à mon avis, en modélisation du langage et en traduction automatique montrent que, de nos jours, il est difficile de se passer de ces architectures profondes pour faire de l'analyse de langage. Donc ma présentation représente un point de vue assez biaisé, biaisé autour des choses que l'on fait dans mon équipe. Et dans cette présentation, je vais principalement parler de modélisation de langage. Donc je vais définir qu'est-ce que la modélisation de langage et quels sont les modèles qui ont été proposés avant et qui sont maintenant état de l'art pour faire de la modélisation de langage. Et d'application de ces modèles pour faire de la classification de documents, une chose qui est dernièrement explorée par les dernières recherches de ces deux dernières années. Donc ces diapos sont fortement inspirées d'une présentation qui était donnée par un collègue à moi lors d'une Winter School récente en Suisse, le sujet étant très proche. Donc la présentation sera comme suit. On va commencer par définir qu'est-ce que la modélisation du langage, comment est-ce qu'on fait de la modélisation de langage, à quoi ça sert. Ensuite, je vais décrire les architectures neuronales qui sont utilisées typiquement pour faire ça, les réseaux de neurones récurrents, les réseaux type LSTM et les réseaux type transformer. Je vais faire un aparté sur les problèmes d'approximation de la fonction de perte, donc comment faire une approximation de la loss qui permet d'entraîner ces modèles de langage sur des données à très grande échelle. Et à la fin, je parlerai d'application en classification de documents. Comment est-ce qu'on peut utiliser un modèle de langage pour faire de la classification de documents? Donc, commençons par la modélisation du langage. Donc, en traitement automatique du langage, on suppose qu'un texte, c'est une séquence de tokens ou de symboles. Et le découpage en symboles est arbitraire. Et en général, c'est les mots ou les caractères. Donc pour une phrase en anglais, a cat sat on the mat, en général, nous la représentons comme une séquence de symboles, où chaque symbole est un mot. On inclut le point comme un symbole dans le vocabulaire. Donc qu'est-ce que construire un modèle de langage? C'est essayer de modéliser la distribution de ces séquences de symboles. Et donc, étant donné une séquence W1, WT, c'est calculer quelle est la probabilité que cette séquence apparaisse. Donc, si on a un modèle de langage, on est capable de calculer la probabilité d'une séquence de symboles. Donc, quelles sont les applications de ce genre de modèle? Elles sont multiples, et on en a tous sur nos téléphones. Par exemple, en reconnaissance de la parole. Donc, la reconnaissance de la parole, ça transforme un signal audio en un texte. Et il y a des cas où le même son peut donner en fait des traductions potentiellement différentes. Vanilla ice cream, si on le dit vite, avec un peu de bruit dans le fond, eh ben, un système de reconnaissance de la parole ne sera pas capable de différencier vanilla, je crie, vanilla, les glaces, la vanille. Et par conséquent, en ayant un modèle de langage, on est capable de dire qu'il est beaucoup plus probable de voir la séquence vanilla ice cream, glace à la vanille, que vanille, je crie. De même, en reconnaissance optique de caractère, donc en ce qui s'appelle l'OCR, si on essaye d'entraîner un réseau de neurones pour transcrire de l'écriture manuelle en fichier texte,
Il se peut qu'il y ait des erreurs ou des symboles qui soient mal reconnus. Par exemple, un O et un 0 sont faciles à confondre. Et donc, en ayant un modèle de langage au niveau des caractères, on est capable de dire qu'il est plus probable de voir move fast que M0VE fast. Donc, comment est-ce qu'on construit ce genre de modèle de langage ? On le fait en factorisant la distribution. Donc, la probabilité jointe de voir cette séquence de tokens peut être écrite comme la probabilité de voir le token au temps, au temps t, conditionnellement au passé, fois la probabilité du passé. Donc, si on continue à faire ça, en factorisant cette fois-ci cette partie-là, on arrive à avoir une expression de la loi jointe qui est en fait le produit des conditionnels à chaque fois avec la probabilité du token suivant étant donné le passé. Donc, construire un modèle de langage revient à la fin à modéliser en fait les probabilités conditionnelles du mot suivant étant donné le passé. Donc, garder tout le passé en mémoire, ce n'est pas pratique. Donc, quand on implémente des modèles de langage, on tronque la dépendance dans le temps et on considère qu'on ne garde qu'un historique de longueur tau. Et par conséquent, on dit que cette probabilité conditionnelle, elle ne dépend que des tokens jusqu'au temps t moins tau. Et donc, des exemples très simples, mais en fait qui donnent des premiers résultats, sont des modèles de langage basés sur des unigrammes. Dans ce cas-là, tau égale 0. Donc, la probabilité d'un document, c'est juste le produit des probabilités des mots. Ou alors, un modèle basé sur les bigrammes, où la probabilité d'un texte, c'est la probabilité d'un mot, étant donné le mot précédent. Donc, la question qui se pose en modélisation du langage, la question cœur, c'est quel modèle pour cette distribution conditionnelle Donc, la première approche qui a été proposée était basée sur des comptes. Donc, étant donné un document, ou un corpus de documents, de textes, disons en anglais, on peut estimer les probabilités conditionnelles en utilisant les comptes. Donc, on compte combien de fois dans le corpus est-ce qu'on voit la séquence wt-tau jusqu'à wt, et on divise ce compte-là par le nombre de fois où on voit la séquence wt-tau jusqu'à wt-1. Donc combien de fois est-ce qu'on voit E4 sat divisé par le nombre de fois où on voit E4. Ça nous donne la probabilité de sat étant donné E4. Donc si on suppose que K, c'est le nombre de symboles dans notre vocabulaire, donc le nombre de mots qu'on a dans notre dictionnaire, au pire cas, il est nécessaire de stocker K puissance tau comptes différents. Donc ça nécessite beaucoup de mémoire et pour beaucoup de cas, ces probabilités ne vont pas bien généraliser à de nouvelles données. Donc il y a une solution qui a été proposée en 1995 par Neser et Ney qui consiste à faire un lissage, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros de considérer potentiellement des comptes d'histoire avec un taux plus petit quand les statistiques ne sont pas suffisantes. Donc, supposons qu'on a construit un premier modèle de langage basé sur les comptes, comment est-ce qu'on peut l'évaluer ? Classiquement, dans la communauté, les gens évaluent ces modèles de langage en utilisant la perplexité, et ils la définissent comme la probabilité de la séquence à la puissance moins 1 sur t. Donc, on peut écrire, bien sûr, en développant avec en factorisant cette distribution. Et on peut voir qu'en fait, ça, c'est équivalent à l'inverse de la moyenne harmonique des distributions conditionnelles, ou alors équivalent à l'exponentielle de la log vraisemblance moyenne. Donc, on peut le calculer simplement en passant l'expression classique de la log vraisemblance, en sortant le log, on se rend compte que, en fait, la log vraisemblance négative, en fait, c'était log de la perplexité. Donc, on peut utiliser cette métrique pour comparer différents modèles. Et donc là, je vous montre des résultats sur une base de Wall Street Journal. Donc c'est des articles de Wall Street Journal avec pour entraîner 38 millions de symboles et pour tester 1,5 million de symboles.
et on compare des modèles avec des historiques différents. Donc Unigram, c'est vraiment la probabilité du document, c'est le produit des probabilités des mots. Bigram, c'est on prend le mot précédent. Trigram, on prend deux mots avant. Ce qu'on voit, c'est que plus on prend de contexte, plus le modèle fonctionne correctement. Cela dit, si on continue à augmenter tôt, on risque d'avoir un phénomène de surapprentissage. Dans le cas extrême, avec un historique de taux quasiment infini, donc taux égale grand T, on n'estime plus des probabilités qui généraliseraient d'un document à l'autre. Donc, une alternative à ces modèles, c'était des modèles paramétriques. Donc, si on définit une caractéristique du passé, donc des features, étant donné notre passé, on a une fonction f qui va calculer des features là-dessus. On va appeler ça xt. Et par exemple, on peut utiliser un modèle logistique multinomial. Donc, dans ce cas-là, on va prendre un modèle linéaire de nos features et utiliser un modèle logistique, donc ce qu'on appelle une normalisation softmax, qui nous donnera la probabilité du token suivant, étant donné le passé. Donc, là, dans ce cas-là, la question est comment choisir les caractéristiques. Donc, comment est-ce qu'on construit un X de T ? Donc, la solution qui a été apportée dans les années 80-90, c'était la représentation par sac de mots, ce qui a permis de mettre en place des systèmes de détection de spam, par exemple. Donc, la représentation par sac de mots, c'est juste un histogramme qui compte les occurrences des mots dans le document. Donc, le problème avec un modèle de ce genre-là, c'est qu'on se retrouve à terme avec k puissance 2 paramètres dans le modèle linéaire. C'est-à-dire que si le vocabulaire est de taille k et on doit prédire k mots différents, eh ben on se retrouve avec un modèle linéaire de taille k puissance 2. Donc, ce modèle-là a été étendu à une version qui... On commence à aller vers des solutions type deep learning. Si on utilise un léger abus de notation, donc WT qui jusque-là était un indice entre 1 et k, on va l'apparenter à le kème vecteur de la base canonique en dimension grand K. Donc, en gros, si WT égale K, on dit que c'est le kème vecteur avec juste un 1 à la kème dimension. Et à ce moment-là, le modèle précédent, donc ce modèle linéaire, peut être vu comme on a une sortie qui est égale à une softmax de A fois X, donc là, c'est le modèle logistique, et on représente XT comme la somme ou la moyenne de ces représentations de mots. Donc, en 2003, Bengio avait proposé d'étendre ce modèle à plusieurs couches, et par conséquent, de considérer que la sortie, c'est donc cette softmax de A fois une variable cachée, HT, et HT, c'est sigma fois des transformations linéaires de vecteurs XT qu'on définit pour chaque pas de temps, pour chaque mot. Et chacun de ces vecteurs XT, c'est sigma fois une matrice fois ce vecteur indicatrice. Donc, ce qu'on voit apparaître ici, ça, c'est ce qu'on pourrait apparenter à un vecteur de mots. Parce qu'on projette, donc on utilise un vecteur de la base canonique en dimension K et une matrice U qui est potentiellement de dimension de sortie plus petite. Globalement, le produit U fois WT, c'est un vecteur de mots associé avec le mot K. Et ensuite, on les somme, on prend une sigmoïde et on prend une softmax. Donc sigma, c'est la sigmoïde. Donc la sigmoïde en particulier, le 1 sur 1 plus exponentielle moins x dont on a parlé pendant le cours. Donc pour optimiser les paramètres d'un tel réseau de neurones, on écrit une perte. Donc on utilise en général l'entropie croisée entre la véritable étiquette, donc le mot suivant, et la distribution qu'on obtient avec ce modèle. Et donc le problème d'apprentissage est équivalent à la chose suivante. Donc on va essayer de minimiser cet objectif par descente de gradient stochastique en essayant d'optimiser les paramètres A, V1 jusqu'à VT, Vto, et la matrice U. Donc, j'ai rappelé les paramètres ici. Donc, afin d'optimiser ce modèle, on peut calculer les dérivées partielles par rapport à tous les paramètres, donc avec la rétropropagation du gradient. Et on obtient les formules suivantes.
on peut coder ça sur un ordinateur et optimiser les paramètres et évaluer notre modèle. Donc je présente des résultats sur un dataset qui s'appelle PenTreeBank, qui est un subset en fait d'articles de Wall Street Journal, qui a été préparé par Mikolov en 2011. Donc là, ce ne sont pas des résultats du papier, c'est des résultats reproduits a posteriori. Et ce qu'on voit, c'est que comparé à un modèle de Nethernet, donc c'est cette espèce de modèle basé sur les comptes avec du smoothing, ce modèle neuronal, ce premier modèle a juste une couche cachée, obtient en fait des performances qui sont comparables. L'intérêt de ce modèle, c'est qu'il a nettement moins de paramètres. Donc, il est plus efficace en termes de mémoire. Cela dit, tout comme le modèle précédent, il est figé à une dépendance à taux pas de temps en arrière. Donc si jamais il y a des dépendances à très long terme, on est figé par la définition qu'on avait, qui était de prendre la somme sur les de 1 à taux. Donc, une des façons de se débarrasser de cette dépendance à un horizon de passé fixé, c'est d'utiliser des réseaux de neurones récurrents, dont on va parler maintenant. Donc, les réseaux de neurones récurrents sont des réseaux qui étaient proposés en 1990 par Hellman. Et le modèle est défini comme suit. Donc, la sortie, c'est comme précédemment, F, c'est la normalisation softmax, d'une transformation linéaire d'une variable cachée HT. Et à chaque pas de temps, la variable cachée HT, ça va être sigma d'une transformation linéaire de la variable cachée au temps précédent, plus A fois W T moins 1, donc ça c'est le vecteur au temps courant qui va nous permettre de prédire le mot au temps T, et on a cette récurrence en HT avec l'ajout d'un nouveau mot à chaque fois. Donc potentiellement, si on déroule ce modèle, au final la sortie au temps T potentiellement dépend de tous les pas de temps, y compris du premier. Comme on le verra, c'est pas évident parce qu'à chaque fois cette contribution passe par une transformation linéaire et une non-linéarité, et il y a pas mal de problèmes de modélisation qui sont liés à ça. Donc comment est-ce qu'on optimise ce genre de modèle? Donc cette récurrence, on peut la dérouler dans le temps et on voit que en fait la sortie au temps T ne va pas que dépendre du mot courant, mais en fait, à cause de la récurrence, de tous les mots de l'historique. Donc, pour optimiser ce genre de réseau, il faut dérouler cette récurrence, et on se retrouve en fait avec une architecture qui ressemble pas mal à un réseau très profond, de profondeur tau. Donc, utiliser juste une perte calculée au temps T pour optimiser tous les paramètres jusqu'au début, à la fois, ce n'est pas pratique. Par conséquent, dans ce genre de modèle, on déroule tout l'historique jusqu'au temps T, on prend les pertes à chaque pas de temps et on peut les agréger en les sommant, en sommant la contribution de chacun pas de temps, des pas de temps, et optimiser les paramètres de cette façon. Cela nécessiterait de dérouler le réseau depuis le début jusqu'à la fin. Comme on a vu, Wall Street Journal, c'était 32 millions de symboles. Donc on ne va pas dérouler une récurrence sur 32 millions de symboles. Donc en général, quand on fait de la rétropropagation dans le temps, on fait de la rétropropagation dans le temps tronquée. Donc on considère que K, pas de temps, à chaque pas de temps. Histoire de sauvegarder de la mémoire et du temps de calcul. Donc, en termes de performance, à nouveau évalué sur PenTreeBank, donc cette base dont je vous ai parlé avant, si on compare au modèle basé sur les comptes et au modèle neuronal de Benjure de 2003, on voit qu'un RNN, en dimension raisonnable, comparable en termes de nombre de paramètres, donne des performances qui sont plus intéressantes. Un autre intérêt de ce modèle, c'est qu'il permet de faire l'inférence en ligne. C'est-à-dire que si on doit prédire la probabilité du mot suivant l'un après l'autre, calculer la probabilité au temps suivant ne nécessite pas de recalculer taux élément. On peut le faire de manière en ligne en ne faisant que deux produits de matrice et une normalisation.
Donc voilà ce qui est pour les réseaux de neurones, la performance des réseaux de neurones récurrents. Donc ils ne sont pas sans défaut. Et donc si on essaye de regarder de plus près ces histoires de dépendance à très long terme dans ces réseaux, on observe un phénomène qu'on appelle la disparition du gradient, ou encore en anglais « vanishing gradient ». Donc en effet, si on calcule la dérivée partielle de la perte au temps t par rapport à H1, donc le premier vecteur caché au temps 1, on obtient par rétropropagation la formule suivante, et on voit que cette dérivée partielle comprend un produit de t termes, chacun faisant intervenir la dérivée au temps t par rapport au temps t-1. Et chacun de ces termes-là, si on les regarde de plus près avec la formule de mise à jour qu'on avait vue tout à l'heure, elle est de la forme suivante. C'est diag, donc c'est une matrice diagonale avec sur la diagonale la dérivée de la fonction sigmoïde de AWT-1 RHT-1. Donc ça, c'est un vecteur. Ça, c'est une fonction qu'on applique coordonnée par coordonnée, et on met cela sur la diagonale d'une matrice fois R. Donc, cette dérivée partielle de la perte au temps t par rapport à la contribution du tout début des données, c'est en fait une série de multiplications par cette diagonale de sigma prime de quelque chose fois une matrice R. Donc, on va regarder de plus près qu'est-ce qui se passe là-dedans. Donc, on peut calculer la norme de ce produit et le borner par le maximum sur les x de sigma prime de x. Donc ça, si on prend 1 sur 1 plus exponentielle de moins x, on prend la dérivée de cette fonction et on regarde son maximum, c'est 1 quart. Et lambda max, c'est la valeur propre maximale de la matrice R que l'on a. Par conséquent, la norme peut être bornée par 1 quart de lambda max de R. Donc on peut encadrer le produit, juste en mettant ces choses-là à la puissance k. Et on voit que, par conséquent, si la valeur propre maximale de cette matrice de récurrence R est plus petite que 4, les dérivées partielles par rapport au tout début de l'historique vont disparaître en fait assez rapidement. La conséquence, c'est qu'il est en fait impossible d'apprendre des dépendances à long terme avec un réseau de neurones récurrents. Et du coup, il n'est pas facile en fait de représenter des dépendances qui vont aller sur une grande échelle de temps. Donc, si vous voulez plus de détails sur ces phénomènes, il y avait le papier de Pascanou et al. En 2013 qui décrivait ça sous quelques angles différents, qui contient potentiellement à discuter. Donc, si on veut essayer d'améliorer la situation, il faut peut-être chercher la solution du côté d'un changement de l'architecture du réseau. Donc, comment est-ce qu'on peut modifier un réseau récurrent pour se débarrasser de cette décroissance exponentielle des dépendances? Donc, ce qui nous amène à la description des réseaux type LSTM. Donc, les LSTM, donc, si on revient au réseau précédent, donc la formule de mise à jour, de récurrence, était de la forme suivante. Donc on avait HT, donc la variable cachée au temps T, c'était sigma de AWT, donc la contribution du mot courant, plus la récurrence par rapport au temps précédent. Mais on pourrait penser à une fonction plus générale, donc on a un phi qui dépend globalement en fait de l'entrée au temps courant et de la variable cachée au temps précédent. Donc on a le même genre de récurrence, mais on ne décide pas que de quelle est l'expression de cette fonction. Donc ce qu'on veut, c'est que cette fonction soit dérivable, qu'il soit facile de faire de l'optimisation dessus, et quel est le pouvoir de faire disparaître ce problème de disparition des gradients. Donc comment est-ce qu'on peut définir phi de façon à se débarrasser de cette décroissance exponentielle? Donc, Hochreiter et Schmidhuber, en 1997, ont proposé cette architecture alternative qui fait intervenir une variable additionnelle qui est ce qu'on appelle la cellule de mémoire, CT, qui est une variable en plus, et on va décrire qu'est-ce qui se passe exactement dans l'équation de mise à jour de ce genre de réseau
Et quelle influence est-ce que ça a? On va essayer de se construire une intuition sur comment est-ce que, quel effet est-ce que ça a sur la dépendance à très long terme. Donc, je dois avouer que la première fois où on lit l'article en question et on essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe dans une LSTM, ce n'est pas évident. Donc, ça ressemble à ce genre de choses-là. Donc, il y a des portes d'entrée, des portes de sortie, des portes d'oubli. Et les équations sont les suivantes. Donc, on va y aller petit à petit. La cellule de mémoire, elle est mise à jour par FT, donc c'est une porte d'oubli, fois la cellule mémoire du temps précédent. Et on ajoute à ça une pondération par une porte d'entrée, IT, fois la tangente hyperbolique de le même genre de choses qu'on avait dans un RNN. Donc ça, c'est pour la mise à jour de la cellule mémoire qui fait intervenir la variable cachée du temps précédent. Et la variable de temps cachée au temps T, c'est la porte de sortie fois tangente hyperbolique de la cellule d'une transformation linéaire de la cellule mémoire. Donc toutes les portes ont une expression qui ressemble aux récurrences dans un RNN. Elles dépendent en gros du mot au temps courant et de la variable cachée du temps précédent. Donc comme ça, c'est pas forcément évident de comprendre qu'est-ce qui se passe. On va essayer de construire une intuition pour ça dans les slides suivantes. Donc la porte de sortie, donc ce qui se passe avec cette mise à jour de la variable cachée, c'est pas crucial dans les explications, on va l'ignorer au début. Et si on l'oublie, les équations, en gros la porte d'oubli était là, donc on va considérer qu'elle n'est pas là. On a CT qui dépend de la porte de sortie fois CT moins 1, et cette porte d'entrée fois ce genre de récurrence. Et donc grâce à ça, cette variable cachée ne dépend que de CT, on n'a plus la porte de sortie ici. Donc, je vais essayer de faire une explication un peu avec les mains. Ce n'est pas forcément précis jusqu'au détail le plus fin. Donc, quel est le fonctionnement de cette cellule mémoire? Donc, la mise à jour qui ressemblerait à la mise à jour qu'on avait dans les réseaux de neurones récurrents, ce serait quelque chose où on aurait la cellule mémoire, c'est tangente hyperbolique de A fois le mot courant, plus R, la cellule mémoire précédente. Donc ça, c'est ce qu'on avait dans les réseaux de neurones récurrents. Et on a vu qu'il y avait ce problème de disparition de dépendance à très long terme. Donc si on veut rajouter des dépendances à très long terme et qu'elles soient bien marquées, on peut rajouter un terme linéaire. Donc rajouter un terme linéaire fait que si jamais cette chose-là, on ne s'en préoccupe pas trop, bah, la cellule mémoire, au moins, on la copie. Donc on a une dépendance plus grande sur le passé. Donc, supposons qu'on peut améliorer donc, cette récurrence en rajoutant un terme ici. Si on déroule cette récurrence en oubliant le fait qu'il y a ce CT-1, donc à nouveau, ce n'est pas exact, on a l'expression de CT qui fait intervenir en fait, la somme de tous ces termes tout au long du temps. Mais si on a ça, ça crée en fait, une dépendance directe de la mise à jour donc de CT par rapport à tout le passé. Et si on a ça, eh bien le passé a autant de poids que le présent. Donc maintenant, si on entraîne sur des documents très longs, il n'y a aucune raison qu'au bout de 4 paragraphes, la prédiction du mot suivant dépende sur les mots de l'introduction. Donc ce n'est pas forcément quelque chose qu'on veut. On veut contrôler cette décroissance. Donc une solution potentielle, c'est d'ajouter un facteur d'atténuation. Donc on ajoute un état, on fait le produit de état fois CT moins 1, et ce état devrait être entre 0 et 1, donc on essaie de pousser cette dépendance directe par rapport au temps précédent. Et si à ce moment-là on fait cette espèce de déroulement dans le temps, on se retrouve avec une décroissance à nouveau exponentielle par rapport au début de l'historique. Et si on a ça, à nouveau, on a cette disparition des gradients qui est exponentielle. Bon, elle est contrôlée cette fois-ci par ce paramètre état, mais on aimerait être plus fin que ça. Donc, la solution qui a été apportée et qui fait tout le cœur des LSTM, c'est que plutôt qu'utiliser un facteur constant, une LSTM, en fait, permet d'apprendre la pondération. Donc, plutôt que d'avoir ce état qui était là, en fait, on a une fonction qui va dépendre des données courantes, donc du mot courant, et de la cellule mémoire au temps précédent,
par laquelle on va pondérer le pas de temps précédent, et une porte d'entrée qui va dire à quel point est-ce que je veux prendre du signal à ce moment, qui va du coup pondérer cette entrée qui dépend du mot au temps courant. Donc la porte d'oubli va pondérer la contribution du passé, et la porte d'entrée va pondérer la contribution du présent. Donc il y a encore un petit détail, c'est que jusque-là nous avons écrit ces équations en termes de CT, donc de cellules mémoire, et comme suit. Donc la porte d'oubli dépendait en fait de la cellule mémoire, mais en fait dans le modèle tel qu'il a été proposé par Schmidhuber et Rockreiter, la dépendance était par rapport à la variable cachée au temps précédent, dans les trois fonctions. Et donc la dernière question qui nous reste à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on a en fait cette cellule mémoire et cette variable cachée? Pourquoi est-ce qu'on a CT et HT? Et en fait, si on regarde l'expression de HT, ce n'est qu'une remise à l'échelle de CT en fait dans moins 1,1. Donc c'est une transformation linéaire de la cellule mémoire avec une tangente hyperbolique qui va écraser les valeurs entre moins 1 et 1. Et donc là-dedans, il y a un double intérêt. C'est que tout d'abord, la cellule mémoire en fait n'est pas bornée, donc elle peut prendre des valeurs potentiellement très grandes, sans pour autant affecter l'optimisation, donc on n'aura pas d'explosion de gradient, parce que ces valeurs propres ne vont pas nous faire exploser les gradients. Mais d'un autre côté, ce CT qui est libre de prendre des valeurs réelles potentiellement plus grandes, nous permet d'apprendre des patterns intéressants. Donc il y avait des articles, par exemple, sur le fait que les STM peuvent apprendre à compter ou à compter le nombre de symboles dans une séquence, là où un RNN n'en est pas capable. Donc, en termes de performance, donc, si on évalue les LSTM et on les compare au réseau de neurones récurrents, à ce modèle neuronal de Benjuo de 2003 et au modèle basé sur les comptes, on voit que sur ce dataset PenTreeBank, la performance des LSTM est meilleure que celle des RNN, que celle des modèles à propagation avant type neural engram. Donc il y a un aspect qui est un peu caché, c'est que grâce à cette architecture plus compliquée, on a un contrôle plus fin de la dépendance dans le temps. Par contre, on a rajouté énormément de paramètres, et donc avec ce genre de modèle, il est facile de faire du surapprentissage. Et donc, avec ce type de modèle, en particulier sur des petites données, en fait, entraîner des modèles de langage devient avant tout l'alchimie de la régularisation. Donc voilà ce qui est pour les LSTM, donc, qui était jusque-là l'état de l'art pendant longtemps sur toutes les tâches liées à la traduction, à la modélisation de langage et toute autre application du traitement automatique du langage. Et je vais passer maintenant au réseau transformer, qui ont un peu changé la façon de travailler durant les deux dernières années. Donc, sur quoi est-ce que les réseaux transformeurs se basent? L'idée, c'est que pour la traduction automatique, on a développé un concept qui s'appelle le concept d'attention. Donc, à chaque pas de temps, si on a des variables cachées, on est au temps T, et on veut trouver une façon de représenter le passé. Donc la première chose que moi, du moins, j'aurais tendance à faire, c'est prendre la moyenne. Mais dans pas mal de cas, prendre la moyenne, ce n'est pas forcément intéressant. On veut avoir la possibilité de pondérer la contribution de tous les éléments. Donc pour ça, on se dit qu'on peut apprendre une pondération à T, donc c'est des réels, pour chaque pas de temps, telle que cette représentation agrégée du passé, ce sera en fait une somme pondérée des variables cachées. Et cette fonction A peut dépendre d'un paramètre, donc par exemple de X, et on peut se dire que la pondération au temps T, ce sera exponentielle de X transpose la variable cachée, le tout normalisé. Donc d'où est-ce que ça vient? Ça vient du monde de la traduction automatique basée sur les modèles de réseaux de neurones. Pourquoi est-ce que ça a été proposé? C'est pour essayer de simuler un système d'alignement. Donc dans la traduction classique,
on faisait de l'alignement entre mots sources et mots à traduire. Et dans le monde des réseaux de neurones, on a essayé de simuler ça en proposant ce système d'attention. Donc, en 2017, Vaswani et Tal ont proposé un modèle qui, en fait, repose intégralement sur des mécanismes d'attention. Et donc, ce modèle a dépassé les performances des LSTM, tout aussi bien en termes de traduction automatique qu'en termes de modélisation de langage. Donc, on va essayer de rentrer plus dans les détails et voir comment est-ce que ces réseaux fonctionnent. Donc, quelque part, ces réseaux transformeurs sont bien différents des modèles qui comportaient une récurrence, comme les réseaux de neurones récurrents ou les LSTM. Et ils ressemblent plus à un modèle à propagation avant, parce qu'à nouveau, on a un contexte qui est de taille figée. Donc on va considérer qu'on prend un contexte qui est de longueur tau. À ce moment-là, dans sa forme de base, donc il y a eu des extensions par la suite, mais dans sa forme de base, en théorie, ce réseau-là n'est pas capable de prédire des dépendances qui seraient plus longues que le contexte qu'on a prévu au début. La deuxième chose, c'est que ça correspond à un empilement de couches identiques d'un point de vue architectural. Et dans les slides suivantes, je vais rentrer dans les détails de qu'est-ce qui se passe à chaque couche de ces réseaux. Donc, de quoi est composée une couche transformer ? Donc, la L-ième couche du réseau est composée d'une couche d'attention, donc qui va essayer de faire une agrégation du passé, et d'une deuxième couche à propagation avant, qui sera en fait composée d'un espèce de perceptron multicouche qui va faire le gros des non-linéarités dans le réseau. Donc, si on note HL-1 l'entrée de la couche L, cette couche va calculer HL, donc ce sera F de HL-1. Et ce qui est important, c'est que dans le design de ce modèle, il faut faire prendre bien soin à ce que les HT à la couche L ne dépendent que des HT' de L-1, donc avec T' plus petit que T. Si ce n'est pas le cas, on se retrouverait avec des modèles de langage qui dépendraient du futur, donc qui auraient vu ce qu'on a à prédire, donc ça ne sert pas à grand-chose. Donc je vais commencer par décrire qu'est-ce qui se passe dans ces couches d'attention. Donc à chaque pas de temps, T, on veut trouver une façon d'agréger les H1 jusqu'à HT. Et pour faire ça, pour chaque pas de temps, on construit un vecteur valeur en prenant une transformation linéaire de la couche cachée au temps T, de la variable cachée au temps T, par une transformation linéaire. Et un vecteur clé, KT, qui sera le produit de K, donc une matrice fois ce vecteur latent HT, et un vecteur requête, QT, qui sera une transformation linéaire aussi de ce vecteur. Étant donné ces trois vecteurs, on calcule la fonction d'attention entre un temps T et un temps T' en prenant l'exponentielle des produits scalaires entre les clés et les requêtes. Donc, au temps T, on prend le vecteur requête au temps T, et on fait le produit scalaire de ce vecteur requête au temps t avec tous les vecteurs clés du temps passé. On normalise ça dans le temps, histoire que ça donne quelque chose qui somme à 1. Et à chaque pas de temps, maintenant, on peut utiliser cette pondération qu'on a appris sur les vecteurs valeurs. Et par conséquent, la sortie au temps t, ce sera la somme sur les u de ATU, VU. Donc, il y a un détail qui était caché dans cette présentation, c'était qu'en fait, il n'y a pas un seul module d'attention, mais il y en a H. Donc, dans les articles, il n'y a pas vraiment d'intuition sur pourquoi est-ce qu'on a besoin de plusieurs modules d'attention. En fait, si on regarde plus précisément, il y a H matrice K, V et Q. Et chacune de ces matrices est de dimension D sur H fois D. Et par conséquent, chaque carte d'attention, en fait, fait intervenir un produit de QI, KI, qui est en fait de rang déficient. Donc, elle est plus petite, la dimension à l'intérieur est plus petite que celle à l'extérieur. Et donc, en fait, ces cartes d'attention sont de rang faible. Ça permet également d'appliquer cette normalisation type softmax
plusieurs fois, h fois, donc en rajoutant un peu de non-linéarité, et en fait en permettant au réseau d'avoir h pondérations différentes simultanées. Une fois ces cartes d'attention calculées, on concatène juste les sorties de h attention. Comme VI, V1 jusqu'à VH sont en dimension, nous donnent des sorties qui sont en dimension D sur H, et qu'on en a H, on concatène tout, on se retrouve bien avec un vecteur de dimension D à la fin. Donc la deuxième partie du réseau, c'est un module de propagation avant. Donc ça, c'est exactement ce dont on a parlé pendant une heure pendant le cours. C'est un réseau un perceptron multicouche à une couche cachée, où l'expression de la sortie, ce sera une transformation linéaire de... Donc là, il y a la non-linéarité, ce sera une relue, donc c'est max entre x et 0, d'une transformation linéaire de l'entrée de cette couche. Et donc, comme on a vu, les matrices W1 sera en dimension D'D, et W2 en D', avec D, donc c'est la dimension ambiante de tous les vecteurs de toutes les variables cachées dans le réseau, alors que D', la couche cachée, sera de dimension au moins 2000, et donc ce n'est pas exponentiel ce n'est pas une quantité exponentielle, mais en fait cette dimension plus importante est critique pour faire fonctionner ces réseaux, pour avoir une fonction qui serait plus intéressante que quelque chose de linéaire. Donc c'est également l'endroit où il y a le plus de paramètres dans ce réseau. Donc c'est à cet endroit qu'il est nécessaire de régulariser. Et de la solution classique, c'était d'utiliser du drop-out, ou alors ce qu'on appelle en français le décrochage. Donc il y a un dernier détail, c'est que dans ces réseaux, nous avons des connexions résiduelles. C'est-à-dire à chaque couche, on ajoute la sortie de ce calcul à l'entrée et on réalise une normalisation par couche qui est le dual de la normalisation par paquet de batch norm. Donc voilà, donc ça complète la description de une couche dans un transformer et en général on en empile de 12 jusqu'à, dans les cas les plus extrêmes, 64 des couches comme ça. Donc... j'ai cherché des évaluations de ce genre de modèle sur PenTreeBank, donc il faut se rendre compte que ces réseaux, c'est un peu comme utiliser un marteau pour tuer une mouche, c'est ça parce que PenTreeBank est vraiment un dataset qui n'est pas grand, alors que ces réseaux-là sont en général utilisés, ont tellement de paramètres qu'il faut les entraîner sur beaucoup de données. Cela dit, j'ai trouvé donc il y a une légère extension, ce n'est pas le modèle vanilla, disons, de Transformer, mais donc dans les travaux de Dai et al., la performance d'un réseau transformer sur PenTreeBank était avec une perplexité de 55. Donc c'est vraiment une quantité qui est drastiquement plus basse que tout ce qu'on a vu jusque-là. Mais, et c'est donc l'état de l'art sur la majorité sur tous les benchmarks de modélisation de langage. Mais donc ces résultats sont à prendre un peu avec des pincettes. Je ne suis pas en train de dire que les transformers, c'est la solution ultime à tous nos problèmes. En fait, si on regarde, donc il y a beaucoup de travaux quand même sur la modélisation de langage basée sur des LSTM, et donc des variantes de LSTM peuvent donner en fait des choses aux alentours de 55, 56, 59. Si on fait de la régularisation, on s'assure que tout est fait correctement. Donc là, je cite les travaux de Meritier et al. Qui sont un exemple de modèle basé sur des LSTM qui arrivait à une perplexité de 59. Mais disons que ça nécessitait beaucoup d'huile de coude. Donc ça termine la partie où je parlais des architectures de neuronales pour la modélisation de langage. Donc là, on a vu globalement les trois architectures les plus populaires dans la modélisation de langage. Je vais faire un aparté sur les approximations de la fonction de perte. Donc il y a un aspect qui est algorithmiquement intéressant et très important quand on fait de la modélisation de langage, c'est comment approximer la perte de classification dans nos modèles. Donc... entraîner des modèles de langage sur des vraies données, donc sur des vraies données, disons pas PenTreeBank, par exemple sur Wikipédia, sur Amazon, ou sur des modèles où en fait il y a beaucoup de mauvaises orthographes de mots, peu de normalisation, ça peut être très compliqué. Et donc le fait que c'est très compliqué est quelque part indépendant, complètement indépendant du type d'architecture qu'on choisit.
Pourquoi est-ce que c'est compliqué? Parce que, en fait, le vocabulaire, donc à cause du fait qu'on a plusieurs orthographes pour chaque mot, parce que c'est du texte où on disons que c'est, on, ce n'est pas du texte normalisé. Donc, par exemple, si on prend Common Crawl, donc c'est des données qui viennent d'Internet. On a inspiré de tous les sites, tous les forums qu'on a pu. Le genre de dictionnaire, en fait, peut être très, très grand. Donc, sur PantryBank, le vocabulaire, c'est 10 000 mots différents. Mais dans des applications qui vont aller sur des téléphones ou sur dans des applications web, en fait, on peut aller à 10 puissance 6, donc c'est 1 million, mais on est gentil, ça peut aller 10 millions, jusqu'à 10, plusieurs dizaines de millions. Donc, tous les modèles que j'ai présentés jusque-là supposent qu'on fait une classification en K-classes, donc qui sont les K-mots du vocabulaire. Et donc, dans ce cas-là, on parle en fait de classification extrême, parce que l'espace de sortie est gigantesque, sans pour autant avoir une structure qu'on pourrait exploiter, comme par exemple en apprentissage structuré. Donc, si D, c'est la dimension de la variable latente, on a vu que souvent la sortie, c'était une softmax de A fois HT. Donc, calculer la sortie nous fait intervenir en fait, le calcul de K produit scalaire en dimension D. Donc, quand K vaut 10 millions, à chaque fois qu'on doit calculer le symbole suivant, on doit faire 10 millions de produits scalaires sur un processeur. Et pourquoi est-ce qu'il y a ça? Parce qu'il y a cette normalisation. Donc, en soi, calculer le produit scalaire entre la classe K et le temps courant, ce n'est pas cher. Mais pour calculer une probabilité, il faut la normaliser. Et donc, on a ce calcul qui intervient ici. Dans la majorité des applications, ce calcul-là de la sortie est en fait beaucoup plus coûteux que toutes les mises à jour dans le réseau, si on considère tout le vocabulaire. Donc, comment est-ce qu'on peut essayer d'approximer cette perte et s'assurer que les choses restent tractables? Donc, la première chose qu'on peut faire, c'est... en termes de notation, je reprends WT, donc c'est bien un vecteur avec que des 0 et un 1 à l'endroit où le mot autant T, c'est K. Donc, en général, on apprend les paramètres du réseau en minimisant cette perte logistique multinomiale. Et une première approximation qu'on peut faire, en fait, c'est de remplacer cette perte logistique multinomiale qui est bien calibrée par K pertes logistiques binaires qui sont indépendantes. Donc, ça nous donne absolument rien en termes d'algorithmique. C'est peut-être même pire parce que la sortie n'est pas calibrée. Donc, on a la somme toujours sur K des log de 1 plus... et donc là, on a une transformation de 0,1 à moins 1,1, juste pour s'assurer que c'est comme une étiquette binaire, moins 1,1. Et donc, si on a ça, on est un peu embêté parce qu'on a quand même toujours les K produits scalaires à calculer. Mais maintenant, on peut essayer de trouver une approximation à ça. Et la première approximation qu'on peut faire, c'est de sous-échantillonner les négatifs. Donc ça, c'est quelque chose qui est souvent fait en pratique. On va garder un terme qui était le terme en fait positif, donc le mot suivant, celui qu'on connaît. On va utiliser une logistique avec un label positif pour ce mot-là, et on va échantillonner un certain ensemble de négatifs pour simuler la normalisation. Donc si on fait ça, on a un contrôle très précis sur la complexité parce qu'on décide si on échantillonne peu de négatifs, on va aller très vite, mais on va mal approximer la softmax. Alors que si on en prend beaucoup, on va aller un peu plus lentement, mais on va mieux approximer. Donc on a un levier sur un trade-off entre approximation et efficacité. Donc un problème qui reste en suspens, c'est comment échantillonner ces négatifs, selon quelle distribution. Donc la solution classique consiste à prendre... racine de CK, où CK, c'est le nombre d'occurrences, la fréquence d'occurrence des mots dans le corpus. Ce qui fait qu'on va souvent échantillonner des mots très fréquents et moins souvent des mots peu fréquents. Donc ça, c'est des heuristiques. Une autre approche, c'est de faire de la classification hiérarchique, c'est-à-dire on va représenter chaque étiquette par un code binaire de longueur B, où B, ce sera log en base 2 de K. Donc chaque étiquette peut être représentée en log 2 K étiquette binaire. Donc si on représente ces classes par des codes binaires, la perte à ce moment-là, ce sera la somme de K égale 1 à log 2 de K,
de pertes binaires logistiques. Donc on a réduit le nombre de choses à évaluer de grand K à log 2 de K. Cela dit, la structure de ces codes binaires est critique pour que ça marche bien. Et donc ce qu'ont fait les gens en traitement du langage, et c'est très classique, c'est qu'on construit des arbres de Hoffman. Donc on fait un codage de Hoffman des mots. Donc les mots les plus fréquents auront des codes très courts, ce qui fait que, par exemple, le mot le plus fréquent « a » va peut-être être assigné au code 0, alors que les mots suivants seront peut-être assignés à 0, 1, 0, voilà. Donc les mots fréquents ont des codes courts, les mots peu fréquents ont des codes plus longs, et ce qui fait que, du coup, pendant un entraînement avec un gradient stochastique, la majorité du temps, on va avoir des codes très courts, et donc ça nous permet d'aller vite. Donc ce genre de solution est efficace pour des choses codées sur un processeur. Je cite par exemple les travaux d'un collègue de chez Facebook qui a travaillé sur comment est-ce qu'on peut faire ces approximations de façon à être optimale pour des calculs qui sont faits sur une carte graphique. Donc ça change un peu les ratios et l'équilibrage de l'arbre qu'il faut considérer. Donc voilà ce petit aparté sur l'approximation de la fonction de perte qui, à mon avis, est un peu c'est un aparté, mais à mon avis, sur quelque chose qui est critique dans les applications, et on fait très souvent face à ce problème de comment, en fait, classifier avec un très grand espace de sortie de manière efficace. Dans la dernière partie, je vais juste rapidement parler de la classification de documents et comment est-ce qu'on peut utiliser ces modèles de langage pour faire de la classification. Donc, en classification de documents classiques, on revient à un problème de classification supervisée. On a donc des couples XN, YN. Et l'objectif est de construire donc une fonction de classification, F, qui va aller de X dans Y. Et quand on a K étiquettes possibles, on définit des fonctions de scoring, état K, qui seront en fait la probabilité que le label soit K, étant donné le feature X. Et une fois qu'on a ces fonctions de scoring, on peut décider d'une fonction de classification qui va prendre le argmax sur les k des états k. Donc, dans notre cas, les x, ce sont des séquences de tokens. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, l'approche classique, typiquement spam detection, c'était d'utiliser des sacs de mots. Donc, on prend l'histogramme des mots dans les emails, et on représente notre document avec cet histogramme. Ou alors on peut prendre des sacs de bigrammes, donc on regarde toutes les paires de mots qui apparaissent dans le document. Et une fois qu'on a défini ces caractéristiques à la main, on utilise le plus souvent un modèle logistique multinomial avec un modèle linéaire à l'intérieur, et nos fonctions de scoring donc, sont de cette forme-là. Donc, depuis 2014, il y a eu des tentatives de classification de documents basées sur des réseaux de neurones convolutifs, par exemple. Donc, les travaux de Zhang et al., de Kono et al., introduisaient des réseaux de neurones convolutifs sur du texte, où le temps, donc on fait des convolutions dans le temps, chaque mot est représenté par un vecteur de mots, et on fait des convolutions qu'on enchaîne avec des sous-échantillonnages. Et en empilant ce genre de couches, on arrive avec une représentation de taille fixe et on fait de la classification là-dessus, comme en traitement d'image. Donc c'était inspiré des réseaux de classification pour les images. Et les résultats sur les. Ils montraient des résultats sur les tâches d'analyse de sentiments, par exemple. Donc suite à ça, je n'ai pas pu m'empêcher de parler d'une librairie qu'on a sortie avec des collègues qui s'appelle FastText, qui était en fait un modèle simple mais rapide pour faire de la classification de documents, et qui était basé en fait sur un modèle logistique linéaire, mais juste avec une factorisation en faible rang du classificateur qui permettait d'aller très vite. Et ce qu'on a montré dans un papier qu'on avait écrit et dans la librairie qu'on a sortie, c'était qu'en fait sur les tâches d'analyse de sentiments, ces réseaux de neurones très profonds, ils fonctionnent mieux, c'était l'état de l'art, mais au prix d'une inférence qui prenait 1 à 2 heures pour ces modèles-là, alors que notre inférence prenait 7 secondes. Donc, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que, en fait, dans les cas d'application pratique, on a vraiment besoin d'utiliser des réseaux aussi profonds?
La réponse dans ce cadre-là était que ce n'est pas évident, parce que ces problèmes-là, en fait, sont relativement faciles et dépendent surtout de la détection de mots-clés. Donc ce n'est pas la fin de l'histoire, parce que récemment, sont apparues des méthodes basées sur le transfert. Donc l'idée, c'est qu'on entraîne un modèle de langage sur énormément de données, sur un très grand corpus, et on veut que ce corpus ait une distribution de mots qui ressemble un peu à notre tâche de classification. Une fois qu'on a donc un réseau de neurones qu'on veut, disons, réseau de neurones récurrent avec ses variables latentes, eh bien on définit un feature à partir des états cachés du modèle de langage sur les mots, et on minimise cette chose-là, et on peut aussi rétropropager, on peut adapter le réseau à la tâche de classification si nécessaire. Donc là, je présente un résultat en particulier qui a fait ça et qui a montré des résultats qui, pour moi, étaient très intéressants. C'est un modèle proposé par Radford en 2017 où ils ont entraîné une LSTM sur 82 millions de reviews de produits Amazon. Donc c'est un modèle de langage, donc ils ne prédisaient que le mot suivant dans les reviews concaténés. Et ce qu'ils ont montré, c'est qu'ils avaient des gains significatifs s'ils utilisaient des features basées sur ces modèles de langage quand ils faisaient de la classification avec des notes de film, par exemple. Donc il y a quelqu'un qui écrit une review, on essaie de prédire quelle est la note du film, ou alors des commentaires clients dans le dataset CR. Donc ce qu'on voit, c'est que le modèle linéaire basé sur un weighting naive base, je n'entrerai pas dans les détails, et une SVM, le modèle linéaire nous donnait une baseline solide. Les modèles basés sur des convolutions marchaient un peu mieux. Mais ces méthodes basées sur le transfert de paramètres qui étaient entraînés sur de la modélisation de langage marchent vraiment mieux. Donc c'est une amélioration considérable qui, à mon avis, redonne envie de travailler sur ces problèmes de classification basés sur des réseaux de neurones. À mon avis, c'est une question de complexité du problème et de l'information qu'on rajoute et de la quantité de données qu'on a à notre disposition pour estimer les paramètres. Donc là-dessus, ça conclut ma présentation. Donc à la fin, j'ai des références. Donc je ne sais pas si les slides sont en ligne, mais donc les références qui correspondent à toutes les choses que j'ai présentées pendant le séminaire. Je pense que voilà. Donc merci pour votre attention, et je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que c'est la fin. Merci beaucoup.